Inspection. C'est quoi ça? Des graffitis sur les murs, des chambres sans dessus-dessous. Claudette est bien décidée à jouer l'effet du logis. Il va falloir remédier à tout ça. Hein. Il y a vraiment besoin d'une femme dans cette maison. Hein. Une amie qui va sur Internet, elle m'a dit, mais ne mets pas que tu as des enfants. Mais que tu es célibataire, trouve quelqu'un et après tu lui dis, j'ai 3 enfants. Mais c'est pas possible. Sa stratégie a payé. Après seulement 15 jours, une femme a succombé. Claudette, une mère de 4 enfants, fraîchement séparée après 20 ans de mariage. Oh, elle est belle, hein. Dès la première webcam, ils ont eu le cyber coup de foudre. Et très vite, ils se sont présentés leurs familles respectives. Merci, hein. Merci pour le je t'aime. Elle espère que je lui dirai un jour que je l'aime. À 600 km de là, à Bourges. Je pense que maintenant, il est temps qu'on se rencontre. Est-ce que tu es d'accord? Pressé de conclure, c'est Claudette qui s'est montrée la plus entreprenante. Gilles, c'est l'amour de ma vie. Je l'aime. Je veux qu'on finisse nos jours ensemble. Ça ne peut pas ne pas marcher. Voilà. C'est pas possible. Face aux déclarations enflammées de Claudette, Gilles garde la tête froide. Je sais aujourd'hui que c'est avec toi et les enfants que je vais refaire ma vie. Que je t'aime, c'est du fond du cœur. Claudette, elle s'emballe, et moi je dis, bon, passons 2-3 jours ensemble, et si tout colle, ben pourquoi pas. C'est comme ça qu'après seulement quelques phrases échangées sur Internet, Claudette s'est retrouvée dans le train, direction Marseille. Elle va passer 5 jours de vacances avec Gilles, entre Noël et le premier de l'an. Pour eux, c'est désormais l'heure du premier baiser. Chargé comme un mulet, tiens, c'est merci. Pour toi. Hop. La tête dans les nuages et les jambes en coton. Claudette est en plein conte de fées. Et peu importe qu'il y ait déjà Amandine, Florian et Zino dans la maison de son prince charmant. Et bonjour à Claudette, à tout le monde. Bon, Claudette, tu te la mets au salon là-bas ou dans ma chambre? Tu veux voir la maison, Claudette? À peine arrivée, elle s'imagine déjà en maîtresse de maison. Bon, voyons voir. Je vais commencer. Inspection. C'est quoi ça? Des graffitis sur les murs, des chambres sans dessus-dessous. Claudette est bien décidée à jouer l'effet du logis. Il va falloir remédier à tout ça. Hein. Il y a vraiment besoin d'une femme dans cette maison. Hein. Allez, on continue. Alors là, c'est ma chambre avec l'ordinateur. Tu fumes dans la chambre? Non. Il fume dans la chambre. Ça vous plaît pas, ça? T'es pas sain du tout. On va y remédier. Mais il faudrait plus qu'une odeur de tabac froid pour la décourager. Car elle n'a pas l'intention de passer cette première nuit dans le canapé. Ben, je sais pas. Non mais tu rigoles là. J'ai pas fait, je sais pas combien d'heures de train pour dormir dans un canapé, hein. Alors ça non, hein. Bon, ben alors tu iras sous ma couette. Hein. D'accord. Pour Claudette, c'est le début de l'opération kimono. Ah, ça y est. Allez, on va au lit. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Elle a 5 jours pour convaincre Gilles et ses enfants qu'elle sera une bonne mère. Ah, ça va faire du bien. Le grand test commence demain matin. Au revoir.